Bonjour les amis. Ce soir, Bifree vous propose de découvrir ou redécouvrir une chanteuse bien singulière en la personne de Christa Befgen, plus connue sous le patronyme de Nico. Everybody knows the thing the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. Your number. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows she's a simpleton. The things she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. Les critiques de rock aiment à le dire sur tous les tons. Le monde se divise en deux parties, ceux qui connaissent le premier disque du Velvet Underground et les autres. C'était le Velvet Underground et Nico dans Femme Fatale. Nico est né le 16 mars 1938 à Cologne. C'est sa mère seule qui l'élève. Son père soldat, blessé à la guerre et sujet à des crises de folie, sera interné en camp de concentration. Adolescente, elle est victime d'un viol par un sergent de l'armée américaine. Ce dernier sera condamné à mort et fusillé. Double traumatisme pour la chanteuse. À 15 ans, elle devient mannequin et le modèle le plus connu à Berlin. À Paris, Coco Chanel la remarque et de Paris à New York, elle devient la mannequin la plus rémunérée de sa génération, ce qui lui permet de s'acheter une maison à Ibiza. Elle se fait désormais appeler Nico et tourne même dans la Dolce Vita de Fellini. Toujours en retard sur le tournage et mettant en rage son réalisateur, elle rate une occasion de faire carrière dans le cinéma. À Paris, on la voit aux côtés de Salvador Dali. Installée à Londres, elle sort avec Brian Jones des Rolling Stones. Elle part pour New York, enregistre un 45 tours, prend des cours à l'Actor Studio, puis rencontre Bob Dylan, et puis Andy Warhol. Ce dernier lui propose de rejoindre le Velvet Underground de Lou Reed et John Cale, qui fait à l'époque les beaux jours de la Factory. Au mois de mars 1967, le Velvet Underground enregistre le fameux disque à la banane. Nico y chante trois chansons. Femme fatale, que nous avons écoutée, I'll be your mirror et All Tomorrow's Parties, que je vous propose d'écouter. Thank you.
us where to all tomorrow's parties, and where will she go, and what shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. What costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? Why, silks and linens of yesterday's gowns to all tomorrow's parties. What will she do with Thursday's rags when Monday comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door.
Jaloux de l'intérêt que le public porte à Nico, Lou Reed et John Cale ne font aucun cadeau à la chanteuse qui décide de quitter le groupe. Ce sont pourtant Lou Reed et John Cale qui aident Nico à enregistrer son premier disque solo, Chelsea Girls. Jackson Browne, Tim Hardin, Bob Dylan, Lou Reed et John Cale composent les 10 titres de cet album. Nico aime à le répéter, c'est avec ce disque que commence ma carrière musicale. On écoute Chelsea Girls. Here's room 506. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if she can uncoil. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girls. Here's room 115, filled with S&M queens. Magic Margaro, you wonder just how high they go. Come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. Here's Pope dear on Dean, Ron has treated him so mean. She wants another scene, she wants to be a human being. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea. She's having fun. She thinks she's some man's son. Her perfect loves don't last. Her future died in someone's past. Here they come now. See them run now. Uptight, she can't.
can turn out her light. She wrote Susan in a ball and now she can't see her at all. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girl. Drop out, she's in a fix. Amphetamine has made her sick. White powder in the air, she's got no bones and can be scared. Here they come now, see them run now. Come now, Chelsea girl. Here comes Johnny Ball. He collapsed on the floor. They shut him up with milk, and when he died, sewed him for silk. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girl. Come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girl. Les rapports entre les membres du Velvet Underground deviennent particulièrement orageux. Pourtant, John Cale et Lou Reed viendront à de nombreuses reprises aider la chanteuse à produire ses disques ou l'accompagner sur scène. En janvier 1972, le Velvet, mais cette fois-ci sans la percussionniste Mo Tucker, se retrouve sur la scène du Bataclan parisien. Nico se produit désormais avec un harmonium. Thank you.
eyes is a smile from your eyes into mine. Rules and warnings close to mine, close to the frozen borderline. Warnings close to mine, close to the frozen borderline. Over a road station tracks, faintly flickers a modest price. From without a thousand cycles, a thousand cycles to come, a thousand times to win, a thousand ways to run the world. In a similar reply, stumbles over the cloudy borderline. Rules and warnings close to mine, close to the frozen borderline. Rules and warnings close to mine, close to the frozen borderline, close to the frozen borderline, close to the frozen borderline. En 1971, paraît Desert Shore, qui n'est autre que la bande originale de La cicatrice intérieure de Philippe Garrel. Nico et Garrel vivent une histoire d'amour tourmentée, dont le cinéaste tirera un long métrage intitulé « Je n'entends plus la guitare ». Interné en hôpital psychiatrique en Italie et recevant électrochoc sur électrochoc, le cinéaste sera délivré de cette torture par Nico, qui le fera évader. Sur ce même disque, on retrouve Le Petit Chevalier, chanté par Harry, qui n'est autre que le propre fils de Nico, que cette dernière a eu avec Alain Delon, qui ne l'a jamais vraiment reconnu. On écoute Le Petit Chevalier. Je suis le petit chevalier, avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effroyer. Je suis le petit chevalier,
avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter, accro à l'héroïne, Nico enregistre The End en 1974, disque magique d'une noirceur absolue. S'y niche une sombre pépite se nommant The End, et qui n'est autre que la reprise du thème des Doors de Jim Morrison. Of town, ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. By the highway west, by the snake, by the snake to the lake. Ancient lake, snake is long,
7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. The rest. The blue boss is calling us. The blue boss is calling us. Driver, where taking us. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went to the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother, and then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. With us, come on, baby, take a chance with us.
le 13 décembre 1974, la cathédrale de Reims est l'objet d'un événement exceptionnel. Nico et Tangerine Dream s'y produisent. L'odeur de la marijuana emplit la cathédrale et l'épaisse fumée mettra quelques jours à se dissiper. Autre temps, autre mœurs. Voici Harry Song. Installé à Manchester et toujours autant accro à l'héroïne et sous l'influence du producteur Alan Wise, un drôle de zigomard, elle va électrifier sa musique et parcourir l'Europe de l'Est, Berlin, New York et le Japon au cours de tournées rocambolesques racontées par Jim Young, le jeune clavier du groupe dans son ouvrage Nico The End. Le 6 juin 1988, Nico se produira au Planétarium de Berlin. Ce sera son tout dernier concert, dont voici un extrait. Thank you.
quality lies in your tone of voice. Désireuse de se débarrasser de son addiction à l'héroïne,
Nico suit un traitement de méthadone et débute un journal qui sera publié en 2001 dans l'ouvrage Cible mouvante. Le 18 juillet 1988, à Ibiza, elle enfourche sa bicyclette pour, dit-on, acheter de la marijuana. Elle sera alors victime d'une hémorragie cérébrale fatale. On ne sait pas pourquoi, Nico ne fut pas inhumée dans la lande au nord de Manchester comme elle le souhaitait, mais dans un cimetière berlinois. Aucun des membres du Velvet Underground n'était présent à la cérémonie. On écoute une dernière fois Nico et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine aventure.